touche le domaine diplomatique de manière très importante. Et puis, vous avez un foisonnement de l'offre. Il y a 20 ans, en gros, vous aviez trois gros acteurs sur le marché qui dominaient le monde du pneumatique. Aujourd'hui, vous avez à peu près 150 manufacturiers en Chine, nouveaux, d'accord, dont on ne connaît pas tous les noms, d'ailleurs. Hein. Et vous en avez autant qui se créent un peu partout dans le monde, parce que l'industrie du pneumatique est une industrie qui a 150 ans d'âge et dans laquelle la technologie de base est disponible à grande échelle, et puis il y a suffisamment d'attrait dans notre catégorie pour réaliser suffisamment de profits pour que beaucoup de monde s'intéresse à la catégorie. Et donc, du coup, pour Michelin, l'impact, c'est une hyper-concurrence. Et donc, là-dessus, il faut être excellent dans tous les compartiments si vous voulez continuer à être le leader dans votre métier. Et donc, pour Michelin, l'enjeu de l'excellence opérationnelle, il est impératif. C'est une condition de survie. C'est-à-dire que si on n'est pas excellent opérationnellement, on n'est pas dans le jeu. Donc, vous avez beau avoir le meilleur produit du monde, ben vous sortez du jeu, simplement, parce que si vous n'êtes pas capable de l'exécuter correctement, vous êtes balayé par le foisonnement de l'offre.